Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'invité du jour ce lundi matin pour nous parler de son département ministériel, du rôle de ses missions, mais également des mécanismes envisagés pour mettre en musique les orientations des hautes autorités gabonaises dans le secteur des mines. Christian Magnania, ministre des Mines, est l'invité de la matinale 6-9 de Gabon 24. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Votre promptitude nous honore, mais avant de rentrer dans l'exercice, nous allons tout de suite partir faire un tour du côté du port minéralier d'Ovindo, notamment du côté de la compagnie des mines de l'Ogwe Comilog, où se trouve sur place Ousmane Bina, qui nous donne un peu la température de ce côté ce matin. Bonjour à vous Ousmane, comment ça se passe de ce côté? Bonjour plateau, ce lundi matin nous sommes du côté du port minéralier d'Ovindo de la Comilog, c'est dans le sud de la capitale gabonaise Libreville. Et comme vous le savez, le port minéralier de la Comilog d'Ovindo a été inauguré un 30 décembre 1988 par feu le président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Comme il est de coutume, ce lundi matin, dans le cadre du reportage du jour, nous allons prendre un peu la température qui prévaut, sinon l'ambiance qui prévaut donc ce matin ici à ce port minéralier. Comme vous pouvez le constater à travers ces images qui défilent devant vous, les agents du poste de contrôle de ce port minéralier sont à pied d'œuvre. Ils sont arrivés très tôt et sans plus tarder, nous allons prendre le responsable du poste avec qui nous allons nous entretenir succinctement. Messieurs, déjà vous présentez aux télématinaux qui vous suivent. Ok, je suis monsieur Raphaël Pamba, chef de poste exploitation port minéralier d'Ovindo. Alors, vous nous accompagnez, M. Pamba. Vous regardez toujours nos télématinaux qui vous suivent exactement. Vous êtes bel et bien la personne de ressources syndicales à nous accompagner dans le cadre de cette matinale, de cette randonnée, ici au port minéralier d'Ovindo. La Comilog, deuxième producteur donc, mondial, avec une amélioration intéressante au niveau donc, de ces différentes tonnes. Et si on parlait un peu du stockage ce matin? Le stockage ce matin se passe très bien. On a reçu une rame de 99 wagons, donc la rotation 29 397. Alors là, nous sommes sur une première demi-rame qui nous fait 33 wagons. Sur ce stock que voici, nous avons un stock de MMA, minerai métallurgique A. Donc là, nous entendons la mise à disposition de la deuxième demi-rame pour la suite du basculement. Après le stock T30, nous irions sur le T60 pour les agglos, c'est une autre variété de minerai. Donc ben voilà, nous sommes en stand-by en attendant que le G30 nous livre la deuxième demi-rame. Voilà, merci Monsieur Pamba donc pour cette promptitude qui a été la vôtre dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tranche, la matinale sur Gabon 24, le reportage du jour. C'est terminé pour le reportage du jour de ce lundi matin. Nous étions du côté du port minéralier d'Ovindo, au sud de Libreville. Plateau, merci et à vous. Merci à vous Ousmane Bina, merci. Et sur ce plateau, nous avons le ministre des Mines, Christian Magnania, qui a accepté notre invitation ce matin. Avec lui, il s'agira de parler du secteur des mines au Gabon. Monsieur le ministre, pour commencer, comment se porte la compagnie minière de l'Ogwe? La Comilog se porte bien. Elle a eu sa période évidemment de baisse d'activité liée à la chute des cours de matières premières, qui est une chute évidemment des cours de manière générale, puisque c'est une crise que nous observons depuis maintenant bientôt 2 ans. Mais là, l'image évidemment des stocks que nous observons ce matin sur Ovindo, ça veut dire que l'activité reprend fort bien. Tant mieux que les stocks d'Ovindo évidemment se reconstituent, parce que l'activité a besoin de commercialisation. Et c'est la preuve évidemment que la Comilog se porte très bien. Voilà. Voilà, monsieur le ministre, on va revenir sur les rôles et les missions de votre département. Si vous pouvez nous parler un peu du rôle et des missions de votre département succinctement. Le rôle, les rôles du ministère des Mines ou du ministère des Mines, bien sûr, est donc de procéder à l'élaboration et à la réalisation donc, de la politique de développement du secteur minier, sous la très haute inspiration donc, du président de la République et sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif ici, c'est de porter notre secteur minier, qui a un fort potentiel, qui a un immense potentiel, et qui gagne à être valorisé parce que ce secteur minier doit apporter une plus grande contribution dans le secteur hors pétrole pour sortir justement, et progressivement, nous le souhaitons tous,
de la prédominance du secteur pétrolier, évidemment, dans notre économie. Je dois rappeler, juste à propos, que depuis que nous observons la baisse durable des cours du pétrole, les recettes du pays, les ressources du pays ont baissé. Et le Premier ministre, encore dans son exposé aux députés, le 10 novembre dernier, il a insisté sur la nécessité de faire jouer au secteur minier un rôle beaucoup plus accru, un rôle beaucoup plus déterminant dans le sens d'une meilleure valorisation, évidemment, de notre diversification de notre économie et contribution donc au PIB gabon. Et justement, lors de son passage devant l'Assemblée nationale, où le Premier ministre déclinait sa politique générale, il donnait des orientations. Alors vous, dans votre département, comment comptez-vous mettre en musique ces orientations données par le chef du gouvernement? Mais il faut rappeler que M. le Premier ministre, lors de son adresse, son exposé devant les députés de l'Assemblée nationale, il a articulé les grandes orientations donc, de son action politique à venir sur quatre enjeux majeurs qu'il convient de rappeler. C'est un premier enjeu sur le progrès économique au profit de tous. Le deuxième enjeu est bien sûr celui qui porte sur la diversification des ressources de notre pays. L'autre enjeu portait sur la poursuite, donc la construction des infrastructures pour le développement de notre pays. Et puis un autre enjeu tout aussi majeur, qui est celui donc d'un enjeu de paix, un enjeu de sécurité, un enjeu d'harmonie dans notre pays, mais également un enjeu d'harmonie dans la sous-région. J'ai trouvé que c'était un discours de la vérité, un discours de la méthode, et dans lequel, bien sûr, moi je me retrouve, bien sûr, dans lequel évidemment le secteur des mines se retrouve pleinement. En ma qualité de ministre en charge donc, du développement de ce secteur minier, comme je disais tantôt, je dois rappeler que le rôle que va être appelé à jouer le secteur minier va être un rôle de relance de l'économie par l'accélération de la mise en œuvre donc, du plan stratégique Gabon émergent. En d'autres termes, de quoi il s'agit-il? Il s'agit de revaloriser notre patrimoine minier, oui, afin qu'il joue évidemment un rôle déterminant dans la diversification de notre économie. En posant quelle action concrètement? Mais dans un premier temps, il faut rappeler que nous avons fait un constat qui est très simple. C'est celui qu'à ce jour, notre pays enregistre très peu d'investissements directs étrangers. Il faut rappeler que sur 2015, le Gabon n'a reçu que 1% des ressources, en fait, des investissements directs étrangers mobilisés sur toute l'Afrique au profit des secteurs miniers. 1%, 1%, c'est peu au regard évidemment de l'immense potentiel minier dont dispose évidemment notre pays. Donc ici, très rapidement, il va falloir s'attaquer au réaménagement du code minier pour le rendre beaucoup plus attractif, pour permettre que les investisseurs directs étrangers, que les partenaires techniques, économiques et financiers du Gabon s'intéressent davantage à nos mines parce que nous disposons de ce tout potentiel qui est riche de mines, qui est riche de diamants, qui est riche de manganèse, qui est riche de fer, à l'exemple de Bilinga, j'espère que je reviendrai sur ces questions-là. Il s'agit de le rendre attractif, donc c'est pourquoi très rapidement, nous allons proposer donc à la sanction du gouvernement un réaménagement donc de ce code minier qui va permettre d'intégrer un certain nombre de dispositifs juridiques et fiscaux afin de le rendre évidemment plus attractif. Monsieur le ministre, le projet Bilinga fera l'objet d'un autre entretien avec vous si vous le souhaitez bien. Alors on va revenir un peu sur les actions phares de votre département. Qu'est-ce que vous comptez mettre en musique très vite pour pouvoir appliquer à la lettre ces recommandations du chef de l'État? Oui, en effet. Monsieur le Premier ministre a souhaité donc bien accentuer le rôle du secteur minier dans la contribution évidemment au PIB. À cela, nous allons lancer très rapidement l'exploitation du marbre dans la Nyanga pour tirer profit des investissements, donc des infrastructures routières et portuaires en cours d'aménagement. Voilà un projet cible concret sur lequel nous allons très rapidement nous lancer. Nous avons concédé à la Société équatoriale des mines les permis donc, de recherche de ce gisement de marbre. À lui, évidemment, de capter l'ensemble d'un certain nombre d'opérateurs. Il y en a qui cognent à la porte, il y en a qui s'intéressent évidemment à ce gisement. Donc ça va se lancer assez rapidement. Nous allons lancer assez rapidement l'exploration de l'or de Mikebe, qui est une zone stratégique pour le Gabon, pour le développement de notre pays, dans le Guévindo. L'or est une matière intéressante, c'est une matière d'attrait, c'est une ressource de minéral qui attire un certain nombre d'opérateurs.
Nous avons déjà commencé l'exploitation avec Bakoulou, avec Managem évidemment qui installe à Bakoulou, mais nous avons d'autres gisements en cours d'exploration, en cours d'exploration et de valorisation. Il s'agit des Tékés, il s'agit de relancer évidemment l'exploration de Pana, il s'agit de relancer également l'exploration de bien sûr, je parlais évidemment de Mikébé tout à l'heure. Mais très rapidement également, nous nous intéressons au gisement de Maboumine qui a quelques difficultés, je dis en termes évidemment de lancement, mais nous encadrons évidemment l'équipe qui est mise en place pour la valorisation donc de ce potentiel. On sent bien que vous avez beaucoup de chantiers à lancer pour pouvoir développer le secteur minier. Monsieur le ministre, parlons un peu maintenant des employés du secteur minier. On sait que ces employés sont souvent exposés à des produits nocifs et que le gouvernement a une politique pour pouvoir accompagner ces travailleurs dans tous les domaines, encore dans tous les secteurs. Alors, dans le domaine minier, est-ce qu'il y a un accompagnement assez particulier à ces agents qui sont souvent exposés à ces produits nocifs? Bien sûr, cet accompagnement, il est d'abord conforme aux obligations, aux responsabilités sociétales des entreprises. Donc c'est contenu dans les conventions qui lient les entreprises à l'État gabonais. À l'exemple de Comilog, puisqu'on vient de parler de Comilog, il s'agit de relever que la Comilog a mis à disposition un hôpital. Mm-hmm. Un hôpital qui prend en charge immédiatement un certain nombre donc, de ces agents en fonction des cas. Donc c'est dans le suivi, bien sûr, et dans le suivi préventif donc, de certaines maladies liées donc, à l'exploitation des mines. Mais nous devons revenir également sur le cas de Mounana, où il y avait évidemment une exploitation d'uranium. L'État continue à appuyer les agents donc, qui ont travaillé, les anciens agents de Comif, oui, à travers la mise en place de l'observatoire de santé de Mounana, dans lequel l'État est présent, dans lequel l'État contribue. L'objectif ici, c'est le suivi après exploitation, évidemment, de l'ensemble de ces opérateurs, de l'ensemble de ces agents qui ont travaillé, qui, en fonction des cas de maladies qui sont détectés, sont pris en charge, je dis mutuellement, par l'État et la société Areva, qui, elle également, est engagée. Donc, en fait, ce processus de suivi des agents miniers est là aussi une priorité pour le gouvernement. Nous y attelons et nous travaillons pour faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà. Monsieur le ministre, on est pratiquement à la fin de notre entretien, mais tout de suite, on va revenir sur les chantiers que vous avez déclinés il y a quelques instants. Des nombreux chantiers attendent votre département. Alors, quel sera l'impact direct du développement de ces chantiers sur le secteur minier ou encore sur la population gabonaise? Mais l'impact attendu, est bien sûr, il y a deux niveaux. Le premier impact, c'est bien sûr agir sur la diversification des ressources de l'État. La diversification de l'économie avec comme corollaire une meilleure contribution évidemment dans le PIB du pays, mais également des ressources de l'État. Mais l'autre conséquence, celle attendue, c'est le combat contre le chômage. Je veux dire, le développement des mines à travers l'exploration, à travers l'exploitation, mais également la commercialisation, comme ça s'est vu tout à l'heure sur le port minéralier de Comilog, contribue à produire de l'emploi. Et moi, je pense, et nous sommes en train d'y travailler sur les projets que j'ai cités tantôt, que ce soit sur le marbre dans la Nianga, que ce soit sur l'or dans le bassin de Mikébé, dans le Guévindo, ou très rapidement, parce qu'il s'agit de revaloriser ce potentiel, ce site minier sur le Beninga. Toutes ces carrières, toutes ces mines mises en exploitation, évidemment, vont être génératrices donc, d'emplois et participer, bien sûr, à ce combat, évidemment, que le Premier ministre lui-même a cité, évidemment, comme un combat gagné. Mm-hmm. Et nous souhaitons tous, évidemment, y contribuer ardemment comme ça s'est fait aujourd'hui. Voilà. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes pratiquement à la fin. On espère vous retrouver encore sur ce plateau pour nous parler encore d'autres choses concernant votre département. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de venir, de prendre part donc à cet échange. Et je reviendrai autant de fois que vous le souhaiterez. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet espace, l'invité du jour. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.